Et nous sommes de retour. Attendez, petit freeze ou pas? Non, ça va. Ah si, un peu. Il faut que ça charge. Le jeu charge tellement vite la sauvegarde, je le répète encore une fois, ça me fait marrer moi. Vous lancez le jeu, 15 secondes après, vous pouvez déjà jouer. C'est abusé. Abusé. Bref. Surtout de la part d'Electronic Arts, faut le dire. Electronic Arts aime bien afficher leur nom partout. Mais là, non, ça va, ils ont été cool. Honnêtement, faut qu'ils continuent. Faut que, vraiment qu'ils donnent une... qui lui donne une petite augmentation, une petite prime, j'ai envie de dire, à Motive Studio. Motive Studio, c'est ceux qui sont occupés du remake de Dead Space, du coup. En tout cas, alors on doit faire le Léviathan, cette fois. On est équipé... Alors ça va surtout se jouer de loin. Donc on a ça de loin, on a... Bon, ça c'est pour... bon bah on va tirer les scies. Je vais être honnête, c'est pas les meilleures armes. On est pour jouer de loin. Donc on va voir un peu comment ça se passe. En tout cas, on a sauvegardé. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc on va pouvoir faire des tests. Éjecter le Léviathan dans l'espace. Voilà, contrôle du SAS. Alors on doit faire avec. Ça va, c'est cool. Tuer le Léviathan. Ah, ça c'est cool ça. De voir le fait que genre on l'éjecte plus maintenant, on le tue. Entrée en zéro gravité. Pourquoi c'est tout noir? Oh. Attends, déjà, ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Oh, t'es vraiment sympa. Tu nous laisses le temps de récupérer. Vous voyez les tentacules ou pas? Oh, ça c'est vraiment cool. Ok, ça c'est vraiment sympa. Le combat il commence pas direct. Oh, ok. Ça je peux apprécier. Ça je peux apprécier ce... cette chose. Ok. Alors attends, reste cool. Ça. Ok, munitions. Non. Donc, je crois qu'après c'est un peu trop loin. Bah ça c'est super sympa honnêtement. J'avoue que je suis un peu épaté. Mais c'est peut-être pas fait exprès hein. Peut-être une erreur en fait. Mais honnêtement, vu qu'on est en plus dans la merde niveau munitions et tout, ça tombe super bien. Du coup on va faire ça. On va mettre le découpeur en bas parce que lancer des scies, je pense pas que ça aide. Voilà, parfait. Nickel. C'est parti! Yeah, c'est classe! Ouais, c'est bien ça. Oh, what the fuck? Ok, il faisait pas ça. Oh,
pas aimé. Je crois que si on se met sur les extrémités, ça passe. Il nous touche pas, ouais. Ouais, faut se mettre sur les extrémités. Bon, faut peut-être un peu tourner, mais... Peut-être le staser, non? Non. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il me repousse? On a encore des explosifs ou pas? Non. Oh mon dieu. Oh la chayata. Je crois. Oh, what the fuck? Ok, oui, non, si, c'est bon. Putain, on l'a vraiment expulsé au final. Ah, ça tue. Ah bah la vache. Ça va, le combat est pas trop difficile honnêtement celui-là. Ah, il fait pas trop mal. Bah après notre armure elle est bien augmentée. Ouais, il fait pas extrêmement mal. Par contre ça, je suis en train de me demander... Les recharges instantanées de votre réserve là, d'oxygène. Est-ce qu'il faut les utiliser via le menu? Ou Ou alors c'est automatique, parce que si c'est via le menu, quand dans un combat comme ça, c'est un peu la merde, hein. Je veux pas dire, mais... Non, mais ça va, ça s'est bien passé. Dans l'original, je crois pas qu'on l'expulsait, en fait. Il crevait, il mourait, comme ça, et il restait là, je crois. Juste à flotter. Je pense pas qu'on l'expulsait. Enfin bref, c'est pareil au même. Bon bah c'est bien. Ouais, y a plus rien maintenant vu que ça a été ouvert. Bon, on a récupéré quand même pas mal de choses. Je vais être honnête. Ça c'est bien parce que les réserves d'oxygène, honnêtement, ça fait de l'argent. Ça fait 1000 et quelques, je crois, 1200 peut-être. Donc ça c'est très bon. On a des munitions. Ouais, très content. Ça va, il était pas extrêmement dur. Wow. Il y a encore des poches de gaz coincées ici et là. Ici et là, c'est gérable. Écoutez, Jacob. Mon Jacob. Aux dernières nouvelles, il était sur le pont de forage avec d'autres survivants. Il a dit qu'il construisait une balise de détresse. Est-ce qu'ils l'ont fini? Il a dit que c'était presque terminé.
Mais je n'ai pas de nouvelles depuis... longtemps. Je ne peux pas encore partir. Je dois m'assurer que l'air est respirable. Mais si vous trouvez cette balise de détresse, appelez à l'aide. Je le ferai. Bon de forage, ok. Et si je rencontre Jacob ? Dites-lui que je le trouverai. Il est ma priorité. J'aime... Balise de détresse. Oh putain. Quelqu'un a largué toutes les autres. Isaac, il y a un raccourci jusqu'au pont de forage près du poste de crosse. Je l'ouvre. Dieu soit loué, on va peut-être se sortir de ce cauchemar. Non, faut pas le dire ça. Espace contaminé. Immersion dans le vide, épisode 7. Okay. Qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Oui, non, elle nous dit de rentrer pour qu'on discute, mais ouais, en fait, on discute via, via la radio, quoi. Par contre, j'aime pas quand la façon dont ça s'éteint. Genre, c'est une fondue au noir très doucement et tout. Genre, la vidéo, elle s'éteint vraiment progressivement et tout. C'est très, très étrange. Au lieu de couper comme si on raccrochait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, je sais pas, c'est un peu oppressant, en fait, de voir ça. Toi, tu vas aller dans le stockage. Toi, on peut te garder... Ça, stockage. Ok. Ouais, on en a 3 à 1250 l'un. Ça, c'est bien ça. On a la stase. Ouais, on peut garder toutes les armes, honnêtement, sur nous. Ça se passe bien, je suis content. Yo suis content. C'est cool. Très cool. Alors. Du coup, on n'a rien gagné. On est toujours habilitation 2. Ouais, non, on fait du coup, go ça. Elle a débloqué. Elle a débloqué un chemin. Très bien. Oh, c'est quoi ça? Accès général requis. Il y a écrit quoi dessus? Keycard required, authorized, personnel only, ok. Personnel, c'est quoi? Ouais, je sais pas du tout ce que ça peut être. Oh la vache. Tu veux pas me le noter sur la... Ah si, tu me l'as noté sur la carte, ok, parfait. Parfait, ok, comme ça je m'en rappellerai au moins. Après, s'il faut, c'est un truc pour le New Game Plus, hein. J'ai pensé à ça aussi. C'est peut-être des choses... Genre l'accès général, c'est peut-être pour le NG+, on sait pas. On est où, là? Au tram? Oui, on est au tram. Oh, on est de l'autre côté. Ok, ça marche. Nickel. Wow. Le système du pont de forage déraille. Génial. Je m'occupe des ascenseurs. Sauriez-vous trouver la balise de détresse de Temple? Je vais dans la salle de contrôle de forage. Les tubes de lancement devraient nous permettre d'envoyer une balise. Il y a quelqu'un? Amande? Où êtes-vous? Dans le conduit, en espérant qu'ils m'entendent pas. Ces choses sont partout. Non, les humanoïdes. Ils sont tous ici sur le banc d'équipage, ils sont ouvriers. J'en ai vu une planter un couteau dans la tête d'un autre qui restait là, le sourire aux lèvres. Attendez, il dirige quelque part. Amande. Merde. J'ai perdu son signal. Il faut trouver cette balise, Isaac. Et vite. Il y a encore des unitologues. Tu aurais le rig de Dallas. Ah oui, on a deux rigs à trouver. Oui, sur le pont du forage, exact. Exact. Fouiller le dépôt de minerai, ça marche. Ouais, on a des trucs à faire ici. Oh, 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 oh.
Accès général. Encore que ça nous fait pas de dégâts. Hein. À nous, hein, quand la scie, elle passe. Je me demande si on aurait pu l'écraser avec les caisses. Ça me dit quelque chose, cette arme. T'es dans le 1, ça? Fuck this ship, it's shitty. Quoi? Capitalist organization. Ah, it's a shitty capitalist organization. Okay. Habilitation de sécurité de niveau 3 requise. Ouais. En gros, il dit que... c'est une saloperie de, d'organisation capitaliste. Donne-moi une nouvelle tenue. Non. Non. On est à 11. On a 3 points. J'irais pas non pour mettre un point de dégâts au découpeur. Vu qu'on commence à l'utiliser souvent. Parce qu'on a encore de la capacité, genre on a encore un. Genre un chargeur plein gratuit. Donc autant mettre un peu de dégâts. On va garder des points de côté pour l'armure. Enfin je dis l'armure mais j'en sais rien. Mais vu qu'on a des choses pas débloquées en fait avec la tenue. Donc bon, c'est... hein, c'est évident qu'il va nous rester un truc. J'espère. C'est évident qu'on va récupérer les choses. Deux des ponts inférieurs de forage sont condamnés, alors que tous les systèmes fonctionnent. Je vais essayer de trouver pourquoi. Ok. Alors, pont B traitement, pont C forage, pont D maintenance. Ah d'accord. Oh là là. Non, ok. Ah ça va être fun. Il y a des passages. Putain de merde. Ça me fait des dégâts à moi ou pas? Mais ça dure longtemps. J'ai un peu mal joué, j'aurais dû vraiment faire attention en fait dans mon dos. J'avoue que c'était un peu con ce que j'ai fait.
Beware. Trap ahead. Alors, c'est un piège. Oh, c'est quoi ça? C'est pas de l'allemand. Polonais? Non, je sais pas. Avec les A, avec le cercle sur le A là. Norvégien? Peut-être? En tout cas, j'ai compris le début. Il y a un piège. Die. Oh, c'est des 6, ça. Ok, il y a des pièges. Yes, on peut prendre les 6. Cool. Ok, j'ai mis ça. Ouais, enfin ça va quand même, on a compris que... Attends, pourquoi les autres elles sont à l'heure? Elles sont cassées, c'est bizarre. Pardon. C'est une fois le truc qui était vivant, il s'était juste coincé. Au moins. Ok. Merde, ça c'était un magasin, ça. Store. Ouais. Je crois qu'il y a des trucs derrière les caisses. Oh. Sécurité retrouvée. Oh. Allô, la sécurité. On a un taré du nom de Harris qui se sert dans le dépôt de minerais. Le docteur Mercer m'a envoyé chercher de l'osmium pour terminer son travail. Je me fiche de savoir si c'est Dieu Tout-Puissant qui t'a envoyé. Si tu te sers dans les profits de la CEC, c'est sur nous que ça retombe. Dieu? Alors, soit tu reposes cet osmium tout de suite, soit je te pète le bras. J'ai travaillé avec des gens comme vous sur Aegis 7. Ils me volaient mes points de force. Quoi? Et me laissaient creuser sans lumière. Hé, cherche-moi! Mais quand ils m'ont abandonné dans le noir, je n'étais pas seul. Le monolithe m'a révélé ses secrets. Maintenant, je les comprends. Vous voulez l'entendre? Alerte! Le personnel non formé n'est pas autorisé à utiliser la station d'habillage. Moi aussi, je les ai suppliés quand ils m'ont enfermé. J'ai aussi crié. Je promets que je ne rirai pas comme eux. Alerte. Station d'habillage obstruée. Vous pouvez subir de graves blessures. Harris, c'est le... Rapport d'incident envoyé à la passerelle par Dr. Nicole Brennan. Voir l'activité de rig liée. C'est le mec qui était pris en charge par le docteur fou là.
Et du coup, en gros, il l'a mis là-dedans, la station d'habillage, là, avec l'armure et tout ça. Donc il l'a mis là-dedans, et il l'a... Ouais, c'est ce qu'il en reste, quoi. Ça part. Putain. Bon, déjà, on a fait notre enquête, c'est bien. Ça doit être là qu'on doit aller. Pardon, j'ai fermé la porte sur toi. Tu peux avoir ton armure. Oh mon dieu. Wow, c'est horrible. Ouais, non, mais alors là, c'est un peu peut-être exagéré, un niveau horreur. Ça se pose bien, ça se pose bien. Genre, à quoi ça sert d'avoir ça? À quoi ça sert d'avoir des dents comme ça? N'importe quoi. Là, j'avoue que c'est un peu abusé, quand même. C'est un peu trop. Là, c'est un peu con, même. J'ai envie de dire. Eh ben, putain. Mon dieu, mon dieu. Alors, notre arme, elle est chargée. On va virer ça, on va virer ça. Ouais, on va charger notre cut-cut. Okay. On n'a pas trop de munitions encore, donc... Continue avec le découpeur. Là-bas, il y a un établi. Oh merde. On l'a eu juste à temps. Hein. On l'a eu juste à temps. Et honnêtement, j'ai pris un truc. Apparemment, j'ai attrapé une scie circulaire, je crois. Et je l'ai balancé. Ouf. Sinon, s'ils réaniment les corps, ils sont vraiment puissants. En plus. Ah bon, on avait aussi d'un explosif à côté. Ce qu'il y a là. Merde, qu'est-ce que je viens de récupérer? Alors, entrée, un périmètre du pont inférieur sécurisé, EEI, quêteur plasma, fil de détente, charge, bon blablabla. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils sont passés par l'aération du sol. Un de ces enfoirés volants est allé droit vers le corps de Lingen et on a fini par devoir en éclater 6 au lieu de 5. On les a découpés et envoyés dans les fonderies pour une crémation rapide, autant assurer nos arrières. Ah, ils étaient en train déjà de combattre en fait les créatures. Les charges topographiques ont lâché trop vite, on a perdu Schlegel, Fick et Fittle. Je n'avais jamais vu l'intérieur d'une tête, je les ai emmenés à la fonderie pour les incinérer et ensuite approvisionner l'inventaire. Je n'arrive pas à dormir. Ouais, tu m'étonnes. Je suis occupé de m'exoder. On a fait un tour à la fonderie. Je n'arrive pas à dormir. J'ai froid. J'entends les autres crier. Je vais mourir à cause d'eux. Les gars ont raison. J'ai besoin de paix et de calme. Et les fonderies ont besoin de carburant. Ouais, d'accord, il a commencé à brûler tout le monde. Et la merde.
deux points. J'ai bien envie d'en remettre un de dégâts, honnêtement. Tellement que le truc est utile maintenant. Après, je crois qu'on a quoi, 50k, un truc comme ça. J'aurais pu le faire au pic et tout ça, mais bon. Ouais. Faudrait que je recommence à utiliser la stase, là, parce que je l'utilise de moins en moins. J'ai remarqué. J'utilise les scies circulaires. Après, bon, c'est une très bonne arme. Une scie, plusieurs morts, en fait. Tellement que c'est puissant. Viens avec moi. J'espère qu'ils vont pas me popper dans la gueule. Deux, trois. Merde, attends. Je suis pas prêt, j'ai pas le lance-flamme de près. Ouais, j'aurais dû mettre le lance-flamme. C'est pour ça que je garde le lance-flamme en théorie, en normalement. C'est pour s'il y a des merdes comme ça. Alors, aujourd'hui, au lieu de le démantèlement planétaire de Aegis 5-6-7, ouais, 7, il semble y avoir eu des problèmes au niveau de la planète et nous avons temporairement perdu le contact avec la colonie. Mais les attaches sont stables avec un couple dans les paramètres acceptables. Le premier morceau de roche a été extrait de la charge tectonique en placement, hein. Environ une heure après le démantèlement de la planète, il a été traité, raffiné et fondu pour échantillonnage. Là, c'est quand même énorme, hein, ce vaisseau, quand on y pense. Les résultats ont dépassé les estimations initiales les plus optimistes. La récupération normale est environ 35% de minerais, 5% de fossiles et 60% de déchets. Mais les matériaux provenant du premier morceau étaient à 65% de minerais, 0% de fossiles, conformément à nos attentes. Ça fait 6,5 tonnes de minerais provenant d'une boule de 10 tonnes. Putain, c'est énorme. Mais quel genre de minerais? Je vois bien savoir ce que c'est. La production complète est en cours et se concentre sur EQ L5. En supposant que ce ne soit pas une anomalie, on a touché une veine principale. Ah, charger la balise. Tube de lancement verrouillé. Veuillez contacter le responsable d'Alas pour obtenir une autorisation. J'ai enfin réussi à accéder au système du pont forage. Tu vois la balise de détresse? Non, et les tubes de lancement sont verrouillés. J'ai besoin du rig d'un administrateur du pont pour les ouvrir. L'administrateur du pont est le responsable d'Alas. Il est sur le pont inférieur de traitement. Je détecte aussi le rig d'un certain Jacob Temple, sur le pont inférieur de maintenance. Peut-être qu'il a laissé la balise de détresse là-bas. J'espère que ces dysfonctionnements t'empêcheront pas d'y arriver. Ce sont pas des dysfonctionnements. Ce sont des pièges. Les mineurs ont essayé de se défendre. Merde. Bon, je vais déverrouiller les ponts inférieurs. Assure-toi juste que la balise n'est connectée à rien. D'accord. Habilitation de sécurité de niveau 3 requise. Ah oui, là ils sont en train de d'extraire les minerais en fait. Ah, si je me rappelle bien, je crois qu'on va devoir mettre des balises sur le bout de roche en fait. Je crois. Tiens, on voit la porte à travers, c'est classe.
Je crois qu'il y a, il y a une connerie comme ça. Ça va être fun. Si je fais ça. Après sur la carte. Kain. Parce que nous on est au forage là. Trouver le rapport sur la passerelle. Ah non, la passerelle c'est loin. Oh, maintenant on a le rapport sur la passerelle. Tu vas me dire que si on retourne à la passerelle, on peut trouver. Ou alors on y retourne plus tard. Sur le pont de forage, responsable du forage, responsable de l'ingénierie. Je vais voir, ballast est où ? Dallas, t'es je sais pas où, dans le vide apparemment. Quoi? Attends. En fait, ça bug des fois. Ok, on va faire ça. Tube de lancement verrouillé. Veuillez contacter le responsable Dallas pour obtenir une autorisation. Ah. Bon, on se calme un peu là. Du coup, on retourne au Mont-Charles en fait. J'ai des trucs à vendre ou... Ça. Go. Ok. On a 3 griffes, je crois, à peu près. 2 et une bombe. La maintenance. Pourquoi pas? Perdu le signal d'Amande. Trouve-moi cette balise de détresse. Je veux me tirer de ce putain de vaisseau. Merde, il y avait peut-être une... Parce que moi je tenais le truc en fait, mais il y avait peut-être une vidéo à voir.
Mais ça m'étonnerait. Ah mince, tain, j'ai peut-être loupé un morceau de vidéo là. Ah, ça m'embête. Ah, je pense pas. C'est pas un truc à faire exploser ça. De toi. Quelle merde, j'arrive pas. Je me bloquais, je me bloquais. On est bon. Non. Pas bon. T'es mort. Merde. Oh, qu'est-ce que j'ai mal joué. Qu'est-ce que j'ai mal joué? J'aurais dû faire tout péter avec ça. Ça aurait... Coup de vie. Casse-toi, toi! Ah là c'est limite, on a envie de recommencer là par contre, de recharger la partie parce que... Dépôt 1, 2, 3 ou 4. Bon, bah on va les faire un par un. Attends, il y a des chiffres dessus ou pas? Pas de chiffres. 4. Bah merde, dépôt 4 c'est quoi du coup? Super, c'est... C'est une porte qui est là en fait. D'accord, ok. Bon, dépôt 3 alors. Isaac, merci. Pourquoi? Pour
m'avoir poussé à le faire. Je veux dire que sans toi, j'y serais jamais arrivée. Tu as tant fait pour moi. Hé, hey, rappelle-toi que nous sommes séparés 6 mois pour que tu vives ton rêve. Je crois que nous allons être hors de portée pour la Isaac ? Nikki ? Isaac, tu me reçois ? Nicole ? Je te recontacte dès que je peux, d'accord ? Nicole ? Isaac ? Tu m'entends ? Allô, Nikki ? Génial. Non. Journal retrouvé. Alors enregistre. Ça va pas changer grand chose. Ten, je sais que le monolithe est responsable de l'épidémie. J'ai besoin de comprendre pourquoi. C'est son signal. Lorsqu'il pulse, il peut modifier un code génétique. Une structure neuronale même. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Mais comment peut-on l'arrêter? Demande à Mercer. Il a enfermé toutes ses recherches sur le monolithe dans sa chambre sur le pont d'équipage. Non, non. Comment ça enfermer? Tu sais comment? S'il te plaît, j'ai besoin des données de Mercer. Non, il va te tuer. Je refuse d'avoir d'autres morts sur la conscience. Après la mort d'Amelia, l'unitologie était tout ce qui me restait. Regarde où on en est. Terence, écoute ça. Je veux dire que sans toi, j'y serais jamais arrivé. Tu as tant fait pour moi. Hé, hey, rappelle-toi que nous sommes séparés 6 mois pour que tu vives ton rêve. Tu aimais Amelia. Tout autant que j'aime Isaac, mais si je ne trouve pas de remède, je ne le reverrai jamais. Je t'en prie, aide-moi. 39277. Ce code devrait pouvoir t'aider à rentrer dans la chambre de Mercer. Ce code devrait encore marcher. Merci. Tiens. Je préfère que tu gardes ça. Docteur Brennan. Nicole. La mort était la seule chose que craignait Mercer. Maintenant... je redoute que plus rien ne l'effraie. 3, 2, 9, 7, 7, c'est ça? Eh ben, là se retourne ce marqueur. Don't believe their lies. Read what they are really saying. Genre, lisez ce qu'ils disent vraiment. Ne croyez pas leurs mensonges. Ouais, là, il y a encore l'alphabet. Ouais, bonne chance. Hein. He can help us. She's right. Amelia. Ok. Ah, c'est tout le monde est devenu fou petit à petit, hein. Même les gens qui sont restés plus ou moins sains d'esprit pendant un long moment, au final tout le monde devient fou quand même. Bon, du coup, c'est bien. Alors, fais voir le haut. C'est bon. RS. J'ai rien dit. On va mettre le disjoncteur sur 4. Je sais pas trop ce que ça alimente en fait, du coup. Donc on va le laisser sur 4. Par contre, je voudrais bien récupérer des munitions. J'ai encore 2 dans le chargeur. Ouais.
Ouais, ça devrait passer. Fais voir les... trouver le rapport sur la passerelle. Maintenant, on a Dallas, hein, c'est ça. Non, Dallas, on sait pas où il est. Et Rousseau, c'est la porte. Okay. Bon, bah... Okay. Où est le rig de l'administrateur? Non. Quoique, attends. Le rig de l'administrateur. Ah. Ok. On a quoi là? Il y a un truc là? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On continue par là ou on... Ah, je sais pas, là. Je ne sais point. Fais voir un peu... Ouais, du coup, là, ça serait la balise, c'est là-bas. Va se faire agresser. Ça c'est 100% certain. Ok, je crois que c'est bon. What? Oh, c'est du coup. Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire que tu sois là. Je pensais plus jamais te revoir. Je vais nous faire sortir d'ici. Il y a une balise de détresse pas loin. On va pouvoir demander de l'aide. La balise? Oui. Ils l'ont enfermée dans l'atelier, mais on pourra entrer avec mes autorisations. Par là. Ah, la petite musique. Pas mal derrière. Tiens, on a du cut-cut. Fais voir. Je te le promets. Récupérons cette balise. Tout le monde compte sur nous. C'est qui ça, tout le monde? Ah! Je
l'entrée est ouverte. Je t'avais jamais vu faire ça. T'es un vrai chirurgien avec ce truc. Bon. Comment je t'atteins maintenant? Non, concentre-toi sur la balise de détresse. Il y a des conduits de maintenance un peu partout. Je te rattraperai. Si t'en vois d'autres, tu te planques, ok? Je t'aime, Isaac. Je te le promets, tu vas y arriver. Remets les choses comme elles étaient. Et ne faisons plus qu'un. Ne faisons plus qu'un, ok? Dans un sens, je me dirais, ouais, elle flirte, mais bon, là, hein, vu les circonstances, hein, on est d'accord que il y a un petit problème quand même. Hein. Il y a un petit problème avec la dame. Puis l'amour, hein, j'ai envie de te dire, Isaac, l'amour, c'est pas. Hein. J'ai connu ça, j'aurais préféré pas. J'aurais préféré ne pas connaître. Waouh. Très bien. Trouver la balise de détresse. Plan. Plan de rig mineur intermédiaire. Est-ce que ça va être mieux que ce qu'on a ou pas? Je crois que là, c'est ça la balise. Ouais. On a une nouvelle tenue. Je l'avais dit que ça arriverait. Enfin, ça, je l'ai dit il y a 3 heures quand même. Je crois en tout. C'était, je l'ai dit au début de l'épisode dernier. Ok, nickel. Voilà. Ok. Il n'y a personne qui vient m'interrompre. Alors dans les appels. Qu'est-ce qu'il y a? Beware, don't look back. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Alors, it's okay to be fucked up, we can't quoi? Je sais pas, anywhere, le dernier mot, mais je sais pas ce... Ok, j'en sais rien. Some book is banging on my door, help me. Somebody is banging on my door, help me. Ouais, quelqu'un est en train de taper à sa porte, aidez-moi. It's okay to be fucked up. Isaac, j'ai perdu le signal de ton rig, comme pour Amon. Je vais bien. J'ai trouvé la balise de détresse. Nicole m'a aidé. Nicole est là? On a été séparés, mais elle va trouver un moyen de revenir. Elle en a de la ressource, hein? Guette l'arrivée de Nicole. Je vais retourner sur mes pas et trouver le rig de l'administrateur. Le système bug, mais je pense que le rig se trouve toujours sur le pont inférieur de traitement. Ça marche. On va pouvoir faire nos missions secondaires, je pense. Et honnêtement... Ah, c'est toi. Arrête de faire du bruit. Il crève du feu ou pas? Il essaye de d'anticiper mes tirs. Et ouais, par contre on a un petit problème là. On a un tout petit problème. Est-ce qu'on peut revenir à un endroit ou pas? Non, on peut pas revenir, je crois qu'on est obligé de revenir comme ça. Oh merde. Parce que là on est plein de chez plein. Après je pourrais recharger des armes. Ça nous ferait gagner de la place. Je peux recharger le lance-disque. Ça nous ferait gagner une place. Ou alors on utilise les petits soins. Ça c'est quoi?
Ça, c'est un énergie plasma. Alors, on fait ça. Ça. Et hop là. Bah oui, go, non? Ah! Attends. Télécabine, zéro gravité. Entrée en zéro gravité. On est où là? Système d'enregistrement de sécurité. Ok, tout est rouge. Oh, on peut aller en dessous. Oh la vache, c'est quand même bien la mer. Oh. Ok. Ça là. Putain, c'est un niveau 3, bordel. Vous faites un peu chier là, niveau inventaire. C'est en plus, j'utilise du soin, mais on va sûrement pas en avoir besoin. Ça va sûrement s'activer. Peut-être utiliser du soin, mais si c'est vraiment une nouvelle armure, on va pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? On va sûrement pouvoir augmenter notre vie, du coup on va être full vie en fait. Oh là là. Merde, c'est où c'est là? Je vais me faire péter moi. C'est relou. Porte niveau 3. On va utiliser le disque, hein, je crois. Je sais pas si poser les objets, enfin jeter les objets, ça veut dire... est-ce qu'on les jette ou on les détruit en fait? Ça, je sais pas. Ça. Ouais, je crois qu'il n'y a plus rien d'autre. Oh merde. Oh merde, trois fois. Ah là. Je me suis bloqué. Mais... Aïe aïe aïe. Quel bordel. C'est pas le fun.
si je peux les éviter, les machins. Ah, c'est bon, calmez-vous. Si je peux les éviter, les trucs, ça sert à rien de les détruire. De toute façon, ils donnent rien. Allez, cassos. Alors, donc, on a encore une porte niveau 3, donc on va revenir. Sortie d'une zone en zéro gravité. Attends, est-ce que sur le pont du forage, il n'y aurait pas un truc? Non, c'est pas ça. Troisième étage. Quatrième étage. Il y a là. Donc ça, c'est forage, quatrième étage. Ah, mais c'est quoi le quatrième étage? Préparation? Il y a aussi un truc, je crois que Dead Space 1, vu que c'est un vieux jeu, je crois qu'il était pas possible. Enfin, le jeu était incapable de sauvegarder en fait tout ce qu'on avait posé par terre. Donc on pouvait pas vraiment se faire des armes comme ça là et les mettre par terre et les utiliser par la suite. Là on peut, parce qu'il y a plus de mémoire et tout, c'est un nouveau jeu quoi. C'est plus moderne. Donc ça aussi c'est sympa. Et vu qu'il n'y a pas de temps de chargement, que tout reste en fait, bah du coup ça doit être encore plus simple pour le jeu j'imagine. Oh merde. Yes. Putain de merde. Putain de merde. C'est bon ? Oh, attends, il y a un truc là. Bon, je crois qu'on est ok. Eh ben, là, dis-moi qu'on a une nouvelle armure. Alors, plan chargé, l'objet est désormais disponible. Donc, tenue de niveau 4, hein, rig de mineur intermédiaire. Yes, nickel. Attends, d'abord, on va faire ça. 10K. On est à 87. Ça tue ça, on va le déplacer. Ça aussi. Ça aussi. Réserve pour l'hiver. C'est parce que je dois avoir plein de réserves en fait. Ouais, on se débrouille bien hein, en tant que. En jouant en difficile. Hein. On se débrouille super bien niveau réserve. Ah, je pourrais acheter 35K quand même là. Non, c'est pas rien du tout. C'est parti. Ah, j'ai pas lu la description de l'armure, merde. J'ai pas lu, désolé. Je crois que ça disait un truc médical ou je sais pas quoi. Yeah. Ça c'est de l'armure.
Voilà, là on a de la place. Et on a 2 points. Alors, fais voir un peu. On va peut-être en acheter plus. Hein. Alors, tenue niveau 4. Alors, ça c'est quoi ça? Énergie de stase. Alors, ok, PV, donc 1, 2, 3. 3 pour les PV, je veux bien. On est dans le jaune? Ouais, on est dans le jaune. Ah, j'avais dit hein, que ça allait être du gâchis, hein, les soins qu'on utilisait parce qu'on était plein. Mais bon, les soins, c'est pas très cher. À 2000 pour en faire un. Ouais, je sais pas combien ça vaut à la revente. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est fait, c'est fait. On va juste prendre un peu plus d'argent. Voilà, on va faire ça. Voilà, 4. Donc ça c'est dégâts de lancer télékinétique sûrement. Ça c'est cool. Parce que je me disais, il n'y a pas les dégâts encore. Mais il nous reste encore au moins un niveau, voire deux peut-être. Hein, parce qu'il y a encore beaucoup de points qui sont grisés. Hein. Donc dégâts de lancer, nickel. Durée de la stase, nickel. Et PV. 225 de plus. Ça c'est énergie de stase. Ça c'est la durée. Ça c'est quoi ça? C'est la largeur, c'est ça? Zone de stase. J'ai bien envie de prendre l'énergie en plus, ça va nous remettre plein et on aura plus d'énergie pour la stase. On aura une plus grosse réserve. Bon, par contre, le découpeur... ouais, bah du coup, on a merdé la capacité. Hein. Pardon. Ouais, on a dû recharger pour perdre la place. Donc c'est pas grave. Il nous reste combien d'argent? 35K. Okay. On pourrait prendre encore 2 points, mais on va attendre si jamais on a un coup dur, genre s'il faut du soin, s'il faut des munitions, ou alors autre chose à récupérer. J'imagine que la prochaine armure, ça va coûter, s'il y en a une prochaine. Ça va sûrement coûter genre 50K. Ça grouille, hein. J'ai un cadeau pour toi. C'est quoi ça? Tu trouves ce message? Je suis plus sur le pont, mais je reviendrai. C'est vite. Une arme? J'ai reçu l'appel d'un autre survivant, il avait l'air terrifié. Je vais boucler la balise de détresse et aller le chercher. On a le temps avant la fenêtre de lancement, de toute façon. Et il a l'air de valoir le risque. C'est un médecin du nom de Mercer, je crois. Ouais. J'espère que ce sera bientôt terminé. Je t'aime. Fais attention à toi, s'il te plaît. C'est le méga PK, ça. Genre, on en a besoin, vous croyez?
je peux bien le mettre en raccourci, mais contre quoi? Contre ça peut-être. Mec, on barricade ici. C'est quoi ce bordel? Évidemment, évidemment, faut aller où c'est que ça crie. Hein. Non, c'est pas drôle. Oh merde, j'ai pas le lance-flamme. Putain. Bon, le méga PK, il a pas... T'étais pas mort, sérieux. Mais Béga Péga, c'est marrant parce que ça leur enlève la peau en fait. Hein, c'est tout quoi. Faudrait l'augmenter parce que je sais que le sort de trou noir là, ça. Enfin, trou noir, le truc qui absorbe là. Apparemment, ça fait des dégâts. Merde! Très bien. Je savais qu'il avait plus beaucoup de vie parce qu'on lui a mis deux griffes, donc j'ai voulu juste faire du tir au plasma normal. On aurait pu même le staser, le taper, je pense que ça passe aussi. Scan ring to unlock workstation. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, parce qu'il n'y a pas d'interaction en fait. Donc, est-ce qu'il faut vraiment scanner quelque chose? Il faut récupérer un rig? Alors, est-ce que eux, ils ont des rigs? Bon, ça, je sais pas. Par contre, j'ai plus d'armes. Voilà. Quoi? Mais il n'y a rien de... J'ai l'impression qu'il n'y a rien à scanner. Hein. C'est juste écrit ça.
C'est sûrement juste la zone de travail en fait. Demande de sécurité retrouvée. Ici Dallas, équipe de sécurité, sur le pont de forage. Kyle a pété un plomb. Revenez, je sais m'en servir. Il passera pour le restant de ses jours si vous ne donnez pas les codes de la zone de chargement. Ici c'est la zone de traitement, pourquoi on aurait les codes de la zone de chargement? Je dois atteindre ce monolithe, il ne reste plus beaucoup de temps. Donnez-moi les codes. Mon dieu, c'est ça que vous avez fait au capitaine? Non, non, Bane était un accident. Je vous interdis de me comparer à quelqu'un comme Mercer. J'essaie de vous sauver. Le monolithe est notre seul espoir. Laissez-le partir, il est armé. La sécurité, putain. Eh ouais. Beware. Ça va où ces flèches? C'était un piège en fait? Non, on l'a fait à l'envers, c'est ça? Ouais, scan ring to unlock workstation. Ouais, ouais, non, en fait c'est ça, c'est... Oui, la station de travail des gens. Ça n'a rien à voir avec un truc à débloquer. De toute façon, il n'y a pas d'interaction. On va s'amuser ici. Je crois qu'il va falloir envoyer ça là dans le l'incinérateur, un truc comme ça, si je me rappelle bien. Mais... Oh, t'as une belle armure toi. Oh la vache. Ouais, toi t'étais un peu plus résistant avec ton armure. Fait chier, on s'est fait toucher. Oh, c'est pas grave, ça arrive. Ce sera pas la dernière fois. Alors... Ouais, on est bon. Très bien. Pas passé. Ouais, non. Bon, on va devoir s'amuser. Ça, c'est un astéroïde qui a... fait un trou. Entrée en zéro gravité. Le risque de l'administrateur devrait se trouver dans la salle de contrôle de traitement, mais quelqu'un a déclenché la sécurité. La porte de la salle s'ouvrira quand la gravité sera restaurée, mais le système refuse de le faire tant qu'il reste des débris. Au moins, le laser de traitement fonctionne encore. Attends deux secondes. Ouais. Anomalie détruite. Il reste deux anomalies. Putain de toi. Voilà. Mais putain. Là.
pas le laser là. T'es pas mort. Tu as crevé ? Putain, machin. D'accord. Merde. Aucun. Détruite. Aucun. Les anomalies mouvantes ont été détruites. Vous bestioles. Pouvez restaurer la gravité. Oh! Dans la merde. Ok. Ouh. Est-ce qu'il est bien ce lance-flamme? Oh, on avait plein de griffes partout au bout d'un moment. J'aurais pu utiliser les griffes. Voilà, très bien. Ok. On a zéro balle de cutter. On n'en trouve quasiment plus du cutter, hein. C'est ouf quand même. Celui-là, je suis pas trop fan. Le trancheur. Le choc laser peut-être. Le choc laser, je pense qu'il va être utile plus tard, surtout pour les grosses bêtes. On va prendre ça. Putain, on a vraiment été bloqué quoi. En... Ah, mais on aurait pu faire quand même le. Non, mais non, il venait de droite et de gauche de toute façon. Donc on était vraiment bloqué en fait. Chaud, 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 chaud. Si on a les mauvaises armes d'équiper, honnêtement, c'est compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. Ah, Dallas. Niveau 3. Dallas. Ici le responsable Dallas, dernière entrée du journal. J'ai fait en sorte qu'il ne puisse pas quitter le pont inférieur, mais je suis coincé aussi. Habilitation confirmée. J'ai vu ce qu'ils infligent à ces corps, ce qu'ils deviennent. Et je refuse que ça m'arrive. Au moins, si je n'ai plus de membres,
Je ne pourrai tuer personne quand je serai infecté. Dites. À Dawn. À mes enfants. Que je les aime. What the fuck? Il y a rien en fait, putain. C'est pas drôle. L'administrateur a changé de position. Tu l'as trouvé? Je l'ai. Je retourne vers la salle de contrôle de forage pour le lancement. Les tubes de lancement ont encore du jus. Ça devrait le faire. C'est pas drôle, hein. Non, pas drôle. Hein. Ok, salle niveau 3 juste devant. Bingo loto, vas-y, donne-moi plein de trucs. Ok. Ouais. Ouais. Ah. Argent. Bon, personne qui veut m'embêter. Un chargeur de chaque, nickel. On a pas mal de stases. Ça se passe très bien. J'ai même pas vu combien de d'armure on a, fais voir un peu. On a 15%, ouais. 15%, ça marche. Du coup, on a l'habilité 3. On va pouvoir un peu se balader. Par contre, il y a une porte qui est toujours verrouillée là, je sais pas pourquoi. Celle-là. Là. Pourquoi c'est verrouillé? Ah, on voit des trucs à l'intérieur. On voit qu'il y a quelque chose. On voit des casiers. Ça, c'est une petite boîte contre le mur, donc il y a un point.
Ah. Ok. J'ai pas de cutter. Non, j'ai pas de cutter. Qu'est-ce que je fais? Attends, je peux balancer un truc. Après, j'ai la mitraillette. Non, peut-être pas ça. Peut-être pas ça. Peut-être. Ah, d'accord. Voilà. Parce qu'une porte comme ça, enfin une salle comme ça complètement isolée, on aurait étonné que ça soit lié à l'histoire. L'énergie de laser. Ah, c'est vrai qu'on pouvait pas faire de l'énergie pour le laser. Enfin, des munitions pour le laser. Nickel. Nickel. Nickel, nickel. On doit retourner aussi à la... à la passerelle. On a des trucs à faire à la passerelle. Mais d'abord, on devrait aller récupérer le rig qui est derrière la porte niveau 3. Que la balise c'est où? Ok, la balise c'est là. Là il y a une porte niveau 3. Moi j'ai envie de repartir en fait au tramway. Au tram. Comme ça là. Si on peut. Normalement on peut. Hein. Merde, j'ai plus de griffes ici. Il y a la mine qui s'est détruite là quand je l'ai balancé là, je suis un peu deg. On va voir si on peut pas prendre des points, augmenter les capacités comme d'hab. Ok, nickel. Là... ah tiens, on a de ça un peu. On a pas mal de cutters. 3000 de stack. 3150. Moins. De toute façon, on a 50k, donc ça va. Très bien.
Alors, découpeur. Découpeur. Capacité. Hop, 13 direct. Nickel. Après, qu'est-ce qu'on a encore comme arme? Ok, découpeur 13. Après, on a ça, le trancheur. Et on a ça aussi. Ok, on en a 6 de côté. Je vais voir si on a. Je crois pas qu'on a, on a de la capacité dans le cutter plasma. Je crois qu'on a tout fait. Ouais, on a que des dégâts, donc ça sert à rien. On va pas gaspiller. L'arme d'assaut, on a dégâts et capacité, mais on l'a rechargé. Le trancheur, on a capacité. On peut mettre capacité juste une fois. Comme ça, on le recharge. Ça peut être une chose à faire. Le méga PK, on s'en fout un peu. Lance-flamme, les dégâts. Ça m'intéresse. Après, attends, là on peut faire quoi? La durée et le SP1. Les lames ricochent encore une fois de plus. On va. Non, non, ce sera un peu du gâchis. Je pense qu'on va faire le trancheur. Voilà, comme ça il est à 6. Il est rechargé. Et on va faire, je crois, le dégât de lance-flamme. On pourrait faire les dégâts de ça aussi. Il y a les dégâts de la, du tir secondaire ou pas? Non. Hein. Il y a quoi qui a les dégâts de tir secondaire? Ah oui, il y a le choc laser, je crois. Dégâts du tir secondaire, 400. Dégâts tir principal, 75. Ouais. Après, le reste, c'est tous les mêmes dégâts. Donc, je pense que... Enfin, j'en sais rien, en fait, comment c'est calculé. On peut mettre les dégâts du trancheur. Non, qu'est-ce que je voulais faire? Non, les dégâts... Oui, celui-là. Là. Ouais. 45. Donc là, on peut recharger. Le lance-flamme, on a augmenté les dégâts. Ah tiens, on l'a pas... C'est quoi le maximum? 60 du lance-flamme? Ouais, bon, on n'a pas de points. Ça c'est bon. On est à 6. Très bien. Après, on a tellement peu de munitions pour le cutter à plasma. Et j'avoue qu'il commence à être un tout petit peu faiblard. On pourrait balancer 5000 pour récupérer des points et les mettre ailleurs. Je suis tenté de faire ça tellement qu'on n'a pas de munitions en fait du cutter. Je suis très tenté à faire ça. Cela, on a des munitions pour tout sauf le cutter en fait. Rien qu'en réserve, hein. Après on en a sur nous aussi. Mais bon, 5000 de crédit, on a plus que 20 000 là. Hein. C'est un peu chaud. Ouais. On va sauvegarder. De toute façon, on va s'arrêter là, je crois. Ouais, on va s'arrêter là pour cet épisode. Honnêtement, on a bien bossé. On est allé. On est allé très loin. Alors, et ce que je veux faire... Alors, la prochaine fois, ce que je veux faire, c'est pas ça. C'est trouver le rig de Rousseau. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le rapport sur la passerelle. Et après... La passerelle est là. Et après, on descend ici, là. Dans le...
la cabine du capitaine, ou je sais plus quoi, là, le poste du capitaine. Et on va voir si on peut scanner tous les rigs, voir ce que ça donne en fait. On peut même retourner à l'aile médicale, là, le pôle médical. Parce que je crois bien qu'il y avait des caisses niveau 3, des trucs niveau 3 récupérés. Donc ça peut être pas mal. Là aussi c'est fermé par exemple. Ouais. Ça, on va voir ce que ça va faire. Mais ouais, il faut qu'on récupère le rig en premier. Et après, à la passerelle, il y a les documents. Enfin, un dossier à récupérer. Puis après, il y a les scanner les rigs. Ouais, on va faire plein de trucs. Mais on va partir, quoi. On va revenir. Et si jamais on voudrait... Ah, j'ai vraiment envie de le réinitialiser, le cutter. Enfin, de toute façon, là, j'ai sauvegardé. On a sauvegardé? Ouais, on a sauvegardé. On va réinitialiser tout. Réussir les améliorations. Payer 5000 pour récupérer dans l'inventaire tous les points de force et réinitier par défaut les caractéristiques de l'élément actuel. Cette action est irréversible. Donc là, c'est que seulement pour le cutter, on est d'accord. Points. Ouais. Et attends, si je fais ça... Là j'ai payé 5000. Genre ok, il a 6 munitions à l'intérieur. Ah oui mais non, on a perdu la capacité. J'allais dire, on peut gruger le jeu en faisant... Genre on paye 5000 pour reset. Puis après on remet des points et on remet capacité, donc le chargeur va être plein. Mais en fait, le chargeur il est tout petit là maintenant. Donc c'est pas très intéressant. Mais ouais, vu qu'on n'a pas de munitions, honnêtement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? De toute façon, j'ai sauvegardé avant, je pense pas le faire. Genre la durée du disque, ça pourrait être un truc. Et après la lame ricoche plus, encore plus. Ou alors... plus de dégâts, je crois que ça va monter à 100. Je crois que le cutter a 120 quand il est au max. Non. Non, peut-être 180, je crois que c'est 10. Peut-être 150, il a peut-être 10 par cran. Là. La cadence de tir, on s'en fout un peu. La capacité en munitions, ça peut être intéressant. Du coup, on fait 1, 2, 3, 4. Donc on augmente énormément les munitions. Et après on recommence le système de capacité pour économiser les munitions. Parce que là il y a des capacités partout en fait. Il y en a... Alors si on prend cette ligne là, on aura la capacité déjà prise. Après on a ici, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, 4, 5. Donc on peut recharger l'arme 5 fois gratuitement. Le lance-flamme, on peut faire un peu la même chose. Trancheur, on peut augmenter ses dégâts. Choc laser, pareil. Méga PK, on va le laisser de côté pour le moment. Ouais, je sais pas trop. Après le cutter à plasma, il faudrait quand même faire des trucs dessus, hein, parce que bon. Ça fait 6. 6 points là-dedans, dans le cutter. On pourrait mettre 6 points dans le cutter, comme ça on a les dégâts de feu dessus. C'est déjà bien. Et après, tu vois. Ça c'est quoi ça? Je tente de rechargement. Ou alors la cadence de tir. Ouais, la cadence de tir. Il y a 12 balles dedans. Après j'ai fait capacité deux fois. Donc j'ai utilisé des munitions. J'ai gaspillé des points.
Ouh là là, je sais pas. Ça... Bon, on va s'arrêter là. Désolé, je me prends la tête. Je rechargerai la partie. Et mais je pense que je vais reset le cutter à plasma pour de vrai. Parce que j'ai pas de munitions et je l'utilise quasiment jamais. On en trouve jamais en fait. C'est un peu ça qui est bizarre, c'est qu'on en trouve beaucoup moins maintenant. Donc on verra. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.